Bienvenue au Jam de musique traditionnelle virtuelle. Animé par moi-même, Acte Chant. Et Denise Daigle-Bourgeois. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous dans notre communauté d'artistes. Chaque jam sera constitué d'au moins deux tunes de violon jouées par Denise. Une pièce qu'elle va jouer au complet et que vous pourrez l'accompagner chez vous avec votre instrument préféré. Par après, nous aurons une entrevue avec notre artiste invité qui nous partagera une pièce musicale. Et à la fin du jam, Denise vous proposera une nouvelle pièce, jouée plus lentement, afin que vous puissiez la pratiquer avec elle avant le prochain jam, quand elle fera cette pièce au complet avec vous. Et c'est ça la recette du jam. Avec bien sûr C'est ma de bonne humeur! Bienvenue au jam musical de l'Association des années francophones du Nouveau-Brunswick. Je suis Art Richard, votre animateur et ma co-animatrice. Denise Degg, bonjour. Nous sommes très, très contents d'avoir avec nous autres cette semaine Louise Arsenault de la région de l'Île-du-Prince-Édouard. Salut Allô? Louise, comment ça va? Bonjour, ça va bien, ça va très bien, merci. Et vous autres, ça va bien? Ah, nous autres, ça va super. On dit bonjour, puis on dit bonsoir. Des fois, je ne sais pas trop quoi, parce que qu'est-ce qui arrive, on fait le jam, ça passe tous les mercredis, tous les premiers mercredis du mois à 7 h le soir, mais il y a beaucoup de gens qui le gardent lendemain, 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 parce qu'on a beaucoup, beaucoup de visionnement. Donc, on est bien content que vous soyez là le matin ou le soir. Bienvenue avec nous Merci beaucoup. autres. Merci. Oh, Louise, à quelle heure est-ce que tu as commencé à jouer de la musique, toi? Moi, j'ai commencé à jouer le violon quand j'avais l'âge de 6-7 ans parce que mon père, à l'air galant, jouait le violon. Et puis, ça fait que la minute que j'étais née, je pense que je pouvais jouer le violon. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de musique dans notre maison. Puis, c'est comme ça qu'on a grandi. Puis, ça fait que c'est ça, l'âge de 7 ans, l'intérêt était tellement là que j'écoutais, je surveillais mon père jouer beaucoup. Et puis, c'est comme ça que j'ai appris à le garder, à l'écouter. Puis là, c'était tout à l'oreille. Puis là, c'est à partir de là. À l'oreille, pareil comme Denise après l'oreille, hein? Ouais, ah oui. Vous avez des bonnes Ah oui. oreilles. Vous avez des bonnes oreilles. On a des bonnes oreilles. Ah Quand ton père s'appelait Ali et il jouait du violon, il devait jouer bien parce qu'il t'a appelé lui, parce que tu joues très bien. Mon père s'appelait Ali en passant. Ah On a beaucoup des Ali, hein? Ah non, on a Oui. beaucoup non. Moi, j'aime ça, ce nom-là. Je le manque beaucoup. Je le manque beaucoup, mon père. Oh. Ça fait que non, à lire. Mon père à lire, il jouait.
ils jouaient pas beaucoup, c'est juste dans notre salle, dans notre région, puis des petits concerts, puis c'était là. Et puis, mais il a joué le piano pour 25 ans dans un groupe de country. Wow! C'était le piano qui jouait plus après les années, là, après que j'ai sorti de la maison, puis tout ça. Ça fait que là, il a pris le piano, puis ça, c'est ça. Mais il y avait encore beaucoup, beaucoup de musique pareil. J'ai une petite question pour toi, parce que moi, j'étais à des parties à l'île de Prince-Édouard en masque, j'étais faire des spectacles, etc. J'ai rencontré beaucoup de monde, beaucoup de bons monde. J'ai vu que c'était vraiment des parties de cuisine dans le salon à l'île de Prince-Édouard avec le plancher en plywood, puis des fois, c'était peinturé, puis dépeinturé parce que bon, on se tapait dessus. Ça, c'est acadien. Puis moi, ça restait dans ma tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, moi aussi. Moi aussi, c'est les chefs de la musique. Ça, c'est de toute beauté. Puis moi, j'en ai eu une chef de la musique quand c'était là. Ah, c'est vrai? Ah, ouais? Je vous ai copié. Ah, oh. Oh, mais il n'y a rien de meilleur. Je veux dire, ouais. Comme les parties. Puis, mais c'est ça, ça changeait pas mal de l'échelle à cette heure. Ah oui, j'ai rendu de l'échelle. Ils mettent un petit peu de chaleur. Mais je voulais te poser cette question ici. Je vois qu'il y a beaucoup de violonneux, violonneuses en l'île de Prince-Édouard qui aussi jouent du piano. Oui, c'est pas mal. Sais-tu parce que vous accompagnez beaucoup vous autres de violon avec le piano, est-ce que c'est super bon, c'est plein. Hein? Parce qu'à les fêtes, il y a des parties de cuisine que j'étais, je pense que j'avais été, je ne sais pas si c'était chez Monique Galland ou bien c'était sur Philippe. En tout cas, si quelqu'un embarquait sur le violon, quelqu'un sautait sur le piano, moi, je disais, oh, OK, incroyable. Je ne sais pas si c'est ça, parce que le monde apprend juste le piano pour l'accompagner, puis là, ils deviennent bons. Oui, bien, je crois que la majorité de ce monde-là, c'est qu'on a grandi avec. Parce que s'il y avait du violon dans la maison, bien, il y avait l'orgue-pédale, ou bien qu'il y avait le piano, les guitares. Puis ça fait que moi, j'ai appris à jouer tous ces instruments-là, puis mes frères, mes sœurs. J'ai deux sœurs, deux frères, puis on joue toutes. Parce que ma mère jouait l'orgue à pédale, puis mon père jouait le violon, puis un petit peu de guitare. Puis ça fait qu'on était pas mal toutes intéressées. Puis là, je vois beaucoup de familles dans notre région que c'est la même chose. Louise, toi, qu'est-ce qui était je comprends que tu as beaucoup apprécié ton père avec le violon, mais après ça, qu'est-ce qui étaient tes influences qui a poussé Louise à jouer, à apprendre à jouer le style de violon que tu joues présentement? Tu as joué toute ta vie? Ben, c'est sûr que moi, j'ai le style de mon père. Et puis, c'est pas mal ce style-là que c'est ça que moi, j'ai le style de mon père. Mais là, il y avait Eddie Arsenault aussi que moi, Eddie, c'était mon idole aussi. T'sais. On a eu des parties de cuisine, puis lui, puis Amand, son frère Amand, c'était les deux qui, tu sais, que... Oh, On les adorait tellement, mais là, on le manque beaucoup, là, Eddie Arsenault, parce qu'il est décédé maintenant. Mais son frère Amand, c'est un voisin, c'est un de mes voisins ici, ce qu'on reste. Et puis, ça fait que, juste pour dire que les compositions, j'ai n'importe quoi sur mon disque. Parce que on a parlé de ça tantôt, ça. Oui, puis j'ai composé une belle valse pour Amand parce qu'ils ont fêté leur 65e anniversaire. Le mariage. Ouais. Mariage. Ça fait que c'est ça. On a eu des parties. Ben, tu sais, les jours de barachois. Puis là, on avait des parties de cuisine. Là. Ça partait, je te dis qu'on a. Quand on arrivait à les tournées, là, c'était là ce que c'est que les parties, tu sais. La maison d'Hélène. Et puis, ça fait que c'est ça. Donc, toi, ton style, c'est un style typiquement acadien, pareil comme Denise. Ouais. Ce que je trouve pour moi, comme un artiste, ça fait 30 ans que je fais de la musique, puis quand je vous vois, puis le style que vous jouez, ça fait mon cœur aller de même, parce que je trouve que vous avez vraiment ramassé le style acadien, puis comme des femmes très, très talentueuses mettent ça sur l'avant-plan pour des générations à venir. Hein. Puis ça, je trouve ça formidable. Mais j'ai une question pour toi. Ton père, qu'est-ce qu'il jouait du violon? Il tapait-tu du pied? Ah oh, oui! Ah, c'est-tu là, tapé? Ah, ouais. Ouais, tapé du pied. Mais c'est ça, c'était comme. C'est un instrument, ça, les pieds. Pour nous autres, là, par exemple, là, de notre région, c'était beaucoup les pieds. Puis moi, c'est ça, avec barachois. Mais quand j'ai grandi comme ça, puis j'ai commencé à jouer, mon père m'a amené à des concerts, puis
sais, comme il y avait comme des contests, tu sais, je veux dire, comme de violon et tout ça. Puis là, j'ai eu le trophée de Lille. Okay. Une année. Ah. Mais je n'aimais pas ça, les compétitions. Oh, non. J'aimais pas ça. Non plus. Mais là, après que j'ai eu le trophée, je disais à mon père, là, j'ai fini, je ne veux plus faire ça. Je n'aimais pas ça. Vous voulez jouer pour le plaisir. Hein? Vous voulez jouer pour le plaisir. Ah ben c'est ça, absolument. Et puis là, moi, je ne tapais pas les pieds, tu sais, à ce temps-là, quand j'ai commencé à 7 ans, jusqu'à temps que on était ensemble avec Barachois. Mm-hmm. Puis là, on a pris cette tradition-là avec les pieds, puis là, c'est ça qu'on voulait. Quand Louise va jouer tantôt, tout le monde, pour le jam avec elle, je vous dis, c'est vraiment le fun de jam avec, donc préparez votre instrument. Vous allez voir qu'à jouer avec son violon, puis tu croirais qu'il y a un orchestre en arrière d'elle, parce que juste le tapage des pieds, puis le feel qu'elle a dans sa musique, là, c'est formidable. Alors, on va continuer, Denise, j'aime tout voir. Ben c'est ça ton style, c'est sûr, c'est acadien, mais y a-t-il d'autres styles que tu aimes de jouer ou d'écouter? Comme, ouais. J'aime tous les styles, je veux dire, c'est un Nouveau-Brunswick. Toi, tu as un style aussi, tu sais, qui est différent que le mien. Et puis, tu sais, cabreton, j'adore la musique cabreton, tu sais, je veux dire. Et puis, j'écoute beaucoup, beaucoup de différents styles et puis j'adore ça. Ouais. Mais notre style, tu sais, moi, je peux pas. J'adore les tunes de Natalie McMaster et tout ça, mais je ne vais jamais jouer son style parce que j'ai mon style à moi. Oui. Ça fait qu'on peut jouer les mêmes tunes, hein, Denise? Mais, oui. On joue les mêmes tunes, mais on a tous nos styles. Des petites frises, puis des petites croches, puis des petits sauts, que ça. Puis moi, je trouve que la musique reflète la manière qu'on parle. Notre parler dégage beaucoup de la musique qu'on fait. Intéressant, c'est vrai ça. Tous les gens qui me disent, hey, pourrais-tu montrer comment tu joues l'accordéon? Je ne sais pas, ça vient dedans ici, c'est ça qui sort. Ben, vous autres, c'est vraiment ça que c'est. Oui, là, Louise, toi, tu es une personne qui est vraiment joviale. Quand chaque fois que je te parle au téléphone, puis je vois ton smile d'en face, en autre mot. Puis comme ça. Puis quand tu joues du violon, pareil comme Denise, ça se monte dans vos tunes.
Ah, Ouais, ah. Ben ah. moi, c'est ça parce que j'aime beaucoup de composer. Et puis, j'aime assez ça de composer. Je ne peux pas m'arrêter, là. C'est presque comme une maladie. Ah, non, ben Je ça, suis t'as raison. addictée, c'est une addiction. Et puis, ça fait que dernièrement, quand on est presque en barré de nos maisons, là, parce que, ben, en tout cas, moi, là, c'est là, à ce temps-là que je. Ben, c'est à ce temps-là, quand la pandémie a commencé, que je me dis, hey, on va pas jouer cet été, puis on va pas jouer l'été d'après, tu sais, on n'a pas joué beaucoup, là. Et puis, je vais pas perdre mon temps. Ça fait que j'ai composé, ben, c'est ça, tu sais, j'ai composé des pièces pour des gens qui sont décédés pendant la pandémie. Hein. Alors, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de différentes. Wow. Ça, c'est un Ouais. dilemme, Denise. Écrire des tunes, c'est pas tout le monde qui peut écrire des chansons, Non. mais écrire des tunes. Justement, ça vient de l'intérieur. Donc, Oui. Louise, arrête pas ça. Ah. Arrête pas ça. Ah, non, je pense le temps que je pourrais le faire, je vais continuer. Qu'est-ce que les autres instruments que tu joues à part de ça? Écoute, tu joues Ben, un autre. je joue un petit peu de la mandoline, je joue la guitare, je joue le piano, puis je fais de la claquette, je danse, puis la musique à bouche. Puis là, ma mère aussi, elle est décédée, puis elle a joué l'accordéon à bouton, l'accordéon à bouton, oui. Et puis, en tout cas, j'en ai une à elle ici, mais penses-tu que je peux jouer ça? Non. Ça, c'est un instrument que je trouve qui est difficile à Ah, mais le jouer. vial chevaux, c'est ça que je joue, moi. Je l'accordais à bouton. Je Ça, là, moi, je reste à Cocagne présentement, au cap de Cocagne, mais avant ça, je reste au fond de la baie, de Bouctouche. Ouais, Puis, ouais. souvent, j'avais des appels du monde que je connaissais, puis ils disaient, vas-tu jouer au pays de la Sagouine prochainement? Tata. Je dis, pourquoi? Ben, ma mère va aller. Ouais. Pourquoi? Ben, parce qu'elle jouait l'accordéon, parce qu'elle était jeune, puis elle avait le droit à jouer l'accordéon. Ben, comment ça se fait que les madames, je dis les mémères, mais ce n'était pas les mémères, qu'est-ce qu'ils ont seulement appris? Comment ça se fait que les femmes jouaient l'accordéon en bouton comme ça? Ben, D'où ça venu, ça? ma mère, elle a seulement commencé à jouer, je pense qu'elle était dans ses 70, parce que une de ses tantes est décédée, puis elle a laissé beaucoup de choses à ma mère, et puis il y avait deux accordéons. Non, il y en avait juste une, ma mère, ça en a acheté un autre. Mais il y avait une accordéon, puis ça a été donné à ma mère. Ça fait que ma mère, elle a eu l'intérêt d'apprendre à jouer. Dans ses 70. Et puis, ça fait que, ah ouais, j'ai enregistré beaucoup ma mère, puis elle ne savait pas. Mais j'ai dit après, parce que si qu'on enregistre, elle, là, c'est comme, elle arrête. Là, elle ne peut plus jouer, tu sais, là. En tout cas, j'ai des cassettes, des cassettes que j'ai enregistrées avec ma mère, que je jouais le piano, puis elle jouait l'accordéon, puis la guitare. Puis, en Oh, tout cas, ça, c'est des c'est beaux. super, super spécial. Ouais, des fois, Ouais. personne ne sait, genre, mon père aussi, il n'aimait pas prendre des photos. Il prenait des photos, là. Allez, il n'est pas là. Ah, oh, il savait qu'on prenait des photos. Là. Non, il aimait pas ça. Non. Je sais que tu as fait plein de spectacles dans ta carrière parce que je vous ai vu jouer en masse de fois partout, mais c'est quoi le spectacle qui t'a plus marqué dans ta carrière? Un endroit que tu as été ou. Ouais. C'était avec le groupe Barachois, on a voyagé beaucoup, on a joué presque dans, je pense, c'est 15 pays. En tout cas, on allait beaucoup en France, beaucoup, beaucoup en France. Et puis, il y avait une île là, qui s'appelait Île Tatiou. Île Tatiou. Puis là, personne vivait sur cette île-là. C'est juste la musique, c'est juste les événements qu'ils ont sur cette île-là. Et puis, ça fait que là, mais c'est comme tout timé, là. Tu sais, faut que les gens marchent parce que l'eau, la mer est basse, là. La mer est basse. Et puis là, faut que les gens traversent avec les bottes, avec leurs bottes, là. Tu sais, là. Et puis, alors, ça fait que là, il y avait comme 1 000 personnes qui traversent. Tu veux dire des bottes de Robert, tu veux dire? Des bottes de rubber, c'est ça. OK. Ça fait qu'il y a 1 000 personnes qui traversent. Et puis là, ils vont à cet événement qui était Barachois, qu'allait jouer. Mais faut qu'on time ça, notre spectacle, pour qu'ils peuvent retourner. T'sais, ça fait que c'était juste une affaire de jouer pour 45 minutes ou quelque chose. Et puis là, après ça, ben ça me donne quasiment encore des larmes aux yeux. Parce que moi, puis la mer, là, ça se rouvre comme ça, là.
C'était pas que ça, c'est pas comme nous autres, parce que on voit la mer venir, mais ça se divise en deux. Comme dans la Bible. Comme dans la Bible. Okay. Et tu n'es pas loin, fait... proche de le Mont Saint-Michel, non? C'est ça que je pensais, moi. Il Tatio! Là, je ne pourrais pas te dire quelle je vais place. C'est pas, en tout cas, non, c'est pas loin, parce qu'on a joué beaucoup en Normandie. Puis, ouais, c'est ça. Ça fait que je ne pourrais pas te dire exactement. Mais en tout cas, moi, ben là, on était sur le fait des roches. Après ça, quand les gens s'en ont tout dit, ben le temps que nous autres, on a dû pacter nos instruments, puis tout ça. Puis là, la mer avait haussé, puis là, nous autres, ils nous ont emmenés en bateau. Wow! Mais, c'est seulement, une occasion, mais est-ce qu'il y a un spectacle, je pensais peut-être à Priscilla, que l'occasion que vous allez jouer quelque part, puis tu aurais dit, oh my God, ça c'était comique. Ou bien c'était comme, oh, je sais pas, tout d'un coup, quelqu'un qui me dit, ma strap a cassé, puis je savais plus quoi c'est faire, ou je sais pas, comme, ou Pris Chanel, comme ça. Avec Barachois, moi j'ai joué à plusieurs festivals avec vous autres, là, vous aviez une bonne gang de jobs. So, je suis sûr qu'il y avait des affaires. Ah, ben, je pourrais vous en compter, puis compter, puis compter. Je ne sais vraiment pas où je vais aller, là. Je pourrais vous en compter parce qu'on a. Ouais, c'était. Et toi, Louise, comme telle, avec ton violon, puis ça, tu en quelque part, tu as été, j'oublierai jamais ça, par exemple. Que ce soit une occasion de, oh, j'ai adoré ça, ou c'était comique. Ben, je vais dire vraiment, qu'est-ce qui m'a vraiment touchée, c'est jouer avec les symphonies. Okay. Les symphonies, on a joué avec plusieurs symphonies, puis on a fait beaucoup de choses, ben, à la fois, c'est sûr, mais ça, c'était tout qu'un rush. Jouer avec des symphonies partout, tu sais, Ontario, partout, tout ça. Mais c'est sûr que... Ça, c'est comme une symphonie qui te back up, genre de... Ouais. Wow! Avec le matériel de Barachois. Oui, mais exactement. Mais tout en arrière, le toit, là, et ça tient, là. Hein? Wow! Ouais, parce que tu sais comment vite que je peux jouer le violon. Ben là, c'était comme... Tu peux t'imaginer, là, des symphonies, là. Ça me semble que je les vois, là, tout d'un coup. Je suis capable avec ça. Mais en tout cas, je suis assez contente qu'on ait eu la chance de jouer avec des symphonies, puis... T'sais, avec beaucoup d'autres groupes sur la scène. T'sais. Je veux dire, comme c'est sûr qu'on on est triste aujourd'hui parce que on a perdu un de nos les East Pointers. Ben, ça, c'était des humains, des personnes très chaleureux. Puis on était sur la même scène pour le Congrès mondial ici. Ça fait que c'est là ce que j'ai venu à connaître Cody, lui qui est décédé beaucoup. Puis, jeune assez, hein? Ah oui, trop jeune. En tout cas, c'est comme je te dis, Denise, il y a tellement de choses qui peuvent se passer avec la musique, tu sais. Oui, ouais. Ouais, ça amène beaucoup de joie, ça, c'est sûr. Puis, oui. J'enseigne pas cet hiver parce que j'ai d'autres projets en vue avec... Parce que ma fille, Angie Arsenault, puis son mari, Jocelyn, ils habitaient à Montréal pour 21 ans, puis ils sont déménagés de nouveau à Lille. Ça fait qu'Angie, elle chante, elle joue le piano, elle enseigne la voix. Ça fait des années qu'elle enseigne la voix. Et puis, en tout cas, elle puis moi, on va commencer des projets ensemble. Ça m'excite. Spécial, ça, oui. Ouais, c'est ça comme. C'est sûr, ouais. T'es plus pur, ça veut dire que ça va être beau, 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 là, comme ça.
Parle-nous de ton album. Oui. Mon album, c'est ça, c'est des compositions que... C'est un album COVID, là. On fait ça pendant le COVID. Ouais. Hein, c'est ça? Non, mais c'est cool, ouais. Parce que c'est, ça reste dans l'histoire. C'est pas tout... Moi, je n'ai pas pu composer pendant le COVID. Honnêtement, j'étais trop sénère, puis j'ai travaillé beaucoup sur les jams et tout ça. Mais ouais. Ceux-là qui ont pu composer, je vous admire, puis je trouve que c'est bien. Puis, parce que tu es pris là, des quatre murs, que c'est d'autres faire. Hein? Oui. Donc, ouais. Bravo. Mais ouais, parle-nous de ton album. Que ça, le, ton ben, album. Moi, c'est que c'est ça. Quand je me dis, ben, on ne va pas jouer cet été, mais là, voilà ma chance. Parce que les étés, pour moi, c'est toujours occupé. On sait là ce que c'est qu'on est occupé. Parce que oui. Là, je voyage pas beaucoup aujourd'hui. Je joue avec Gadel, avec oui. Le groupe Gadel, qui est Rémi, puis Caroline, oui. Caroline Bernard, et puis Hélène, et puis moi. Wow. Ça fait qu'on joue encore aujourd'hui, Gadel. Ça fait que, ben, aujourd'hui, mais je veux dire, c'est ça mon groupe aujourd'hui. Mais ça fait longtemps que ça règne, ça, hein? Ouais, ça fait depuis 2006, je pense. Wow! Ouais, je pense, ouais. Est-ce que c'était après Barachois? Ah ouais, ouais, okay. Ah ouais. Parce que les gens, ceux-là qui, vous connaissez certainement Barachois, c'est un groupe de musique traditionnel, humoristique, plein d'énergie de l'Île-de-Prince-Édouard, de la région évangéline, il faut bien le marquer, qui ont parcouru le monde. Puis moi, les spectacles que j'ai eu à faire avec eux, là, les gens les adoraient. Puis, cette madame ici, là, ben, a tapé du pied puis a brassé ça sur le stage. Et après ça, tu as commencé à jouer avec son autre groupe-là. Hein? Oui, ça fait que ça... Parce que Barachou, on a fini en 2003. Et puis là, 2006, c'est ça. Oui, hein? Oui, c'est pas croyable. Oui. Ça, c'est le fun parce que chez vous, comme il y a beaucoup plein de musiciens ben, qui sont intéressés dans le style traditionnel. Ouais. C'est le fun de pouvoir jouer avec d'autres musiciens, comme tu dis, pour la prochaine année, là, qui sont bien. Ouais, ben, tu sais, qu'est-ce qui arrive là aussi, c'est Chuck Arsenault, qui était dans Barachois. C'est lui qui est il enseigne la musique à l'école évangélique. Encore? Ça fait qu'il enseigne le violon. C'est le violon qui est l'instrument pour les cinquième années. Puis là, moi, je travaillais avec lui, mais là, je ne peux plus aller là. Puis, en tout cas, ça va revenir un jour. Oui, puis, moi, je travaille avec les cinquièmes, les sixièmes. Louise, puis dans l'orchestre de Barachois, Chuck Louise. C'est l'autre qu'il y avait? Hélène Bergeron et Albert Arsenault. Albert. Mm-hmm. Ça, c'est un bon job. Oui, ça, c'était les quatre de nous autres. En tout cas, je vais revenir à mon album. Mm-hmm. Puis pendant la pandémie, c'est là que je m'ai décidé que, oh, ben là, j'avais déjà du matériel de composer avant. Ça fait qu'il y en avait, puis là, j'ai une amie qui a perdu son mari pendant la pandémie. Ça fait que là, c'est comme, tu sais, je composais pour ces gens-là. Ça venait me chercher. Ça venait me chercher. Puis j'étais tellement chanceuse que j'ai pu faire ça. Et puis, ça fait que, ouais, c'est comme bien une autre amie aussi. Bon, Noël, ton album? Oui, ça. Ça va-tu être en vente par ici, là, comme au Nouveau-Brunswick? Bonjour, Nouveau-Brunswick, je ne peux pas traverser sur l'île pour aller dans son sud ici. Moi, je suis d'avoir rien, là. On m'a envoyé ça par la mail, moi, là. Je suis content. J'ai eu ça ce matin, donc j'ai hâte de l'écouter. Ouais, ça fait que, ben, c'est ça, comme la photo que vous voyez là, ça, c'est la photo que j'ai décidé de prendre parce que c'était avec Barachois au Congrès mondial. Puis j'étais en train de danser, là. Ça, c'est comme live, là, tu sais, là. Ça fait que, je pense que ça s'appelle Rachel, c'est elle qui a pris les photos pour la... OK. Elle vient de Moncton. Ah, c'est-tu Rachel Richard ou... Ah, oh, ben je devrais pas dire ça. Super, je m'excuse, je devrais avoir son nom. Tu devrais avoir ton album, non?
Oui, je vais garder dans mon album. Je m'excuse. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça que tu disais, mais on parle. Moi aussi, quand on était dans le salon chez vous, ben, on est dans le salon ici, le salon sur Denise. Oui, c'est vraiment... Moi, ça m'encourage de produire un album de violon. Mais à cause de toi, aujourd'hui, on dirait que c'est pas moi et tout. J'ai des compositions, puis je devrais faire ça aussi. Ouais. Absolument. Ouais. Absolument. Ben, elle s'appelle Rachel Richard. Ah, c'est Richard, bon stuff. Oui. Wow. Ouais, c'est elle qui était la photographie pour le Congrès mondial. Puis ça fait que je l'ai appelée, j'ai demandé la permission pour utiliser la photo. Puis en tout cas, j'ai dit, puis comment est-ce que tu veux, je peux te payer. Puis elle a dit, juste envoie-moi un album. Ça fait que c'est ça que c'est fait. Ton album, Louise, c'est-tu toi, ton violon, puis juste un joueur de guitare ou as-tu un joueur de piano? J'avais une dizaine de musiciens dessus. J'avais même la cornemuse, j'avais comme un violon. Vraiment? Ouais. Wow! Tu ne l'as pas entendu encore, hein? Non, mais... hier matin! Hey! Non, mais c'est ça! Les gens pourront l'avoir où? Comme là, j'ai commandé sur ton Facebook, sur ton site. Est-ce qu'ils peuvent avoir tes chansons digitales aussi? Si tu es sur iTunes, ouais. Spotify, tout ça? Oui. J'ai une page Facebook, Louise Arsenault. Louise Arsenault. Et puis, ça fait que tout mon album est tout là. On peut l'acheter en ligne. Ou bien, s'il y en a qui veulent, tu sais, comme s'il y en a qui veulent avoir l'album même, je peux le mettre de la malle, puis les artistes, on préfère, quand quelqu'un commande mes albums en ligne, là, pour le CD même, là, on est content parce que c'est ça, c'est pas la même chose. Moi, personnellement, j'aime avoir le paquet, moi. J'aime avoir le CD dans mes mains, voir tout ce qui est dedans. C'est ça, c'est à moi. Ce que j'ai dit, c'est pas mal, là. Mais on arrive à sa fin, ben, peux-tu nous parler un petit peu? Donc, on encourage les gens d'aller sur Facebook, sur la page Louise Arsenault, puis voir, vous pourrez commander son CD, puis ça aiderait les artistes, puis garantie que vous aurez un time avec sa musique, pour ne pas faire d'autre. J'avais beaucoup de bons musiciens sur mon album. Je suis tellement chanceuse. Tous les musiciens que j'ai demandé, ils ont tout dit oui. Il n'y a personne qui a dit non. Ça fait que c'était un projet assez intéressant, là. Puis le fun. Et puis, c'était Rémi Arsenault qui était... C'est lui qui a enregistré mon album. C'est lui qui a fait le gros travail. Ah, ouais, hein? Ouais. Je te demandais ça, ouais, qu'est-ce que tu avais enregistré. Mais les tunes que tu nous proposes aujourd'hui dans le jam, je sais que ce n'est pas tes compositions. Tu m'as dit, gars, je vais faire, c'est un jam art, je vais faire des tunes qui sont traditionnelles assez, que le monde peut connaître un petit peu, puis jam avec. Peux-tu nous les nommer un petit peu? C'est quoi les trois tunes que tu nous envoies aujourd'hui? OK. Ça fait que la première, il y a deux tunes. C'est parce que je voulais jouer les tunes que... Edward Arsenault de notre région, c'est aussi un violonneux. Okay. Et puis, il a composé la rille de cinq résistants. OK? La rille de cinq résistants. Chrysostomes. OK. Cinq résistants. C'est là qu'il a grandi. Puis, il a composé cette tune-là. Okay. Puis là, la deuxième, c'est la rille du dragueur que Eddie Arsenault a composé. OK? Ça, c'était comme des tonnes de deux qui ont composé. Puis là, les deux autres, c'est moi. Ça fait que là, il y en a une que ça s'est appelé Bonnie slash, comme, et puis je, c'est Gérald. Ils m'ont demandé pour aller jouer pour leur noce. Ça fait que j'ai composé une valse pour eux, puis c'est ça la valse. C'est ça la valse, OK. Puis là, la deuxième, c'est la 65e anniversaire pour Amma et Margaret Arsenault. OK. Wow. Okay. Et puis là, la troisième, c'est comme que je vous ai dit, ma fille Angie Arsenault, puis son mari, Jocelyn, quand j'ai eu la nouvelle qu'ils sont revenus de nouveau à Lille, j'ai composé une qui s'appelle La Butte de Wellington, parce qu'ils vont bâtir juste à côté d'ici, là, ce qu'on reste. Parce que là, on a trois tonnes qu'on va écouter, là. Tu devrais en nommer comme cinq. Non, c'est comme des sept. C'est comme sur l'album. OK, tu vas les jouer un petit peu plus tard. C'est peut-être trop long pour vous autres, je ne suis pas sûre. Pas du tout. Pas du tout. En tout cas, la deuxième, c'est appelé comme le voyage de retour.
C'est encore pour Angie et Jocelyn. C'est toute la même set de violons que j'ai fait. Okay. Puis là, la troisième, c'est appelé la rille des familles, parce que je trouvais que ça enveloppait ça. La rille des familles, ça fait que ça, c'est ça la dernière. C'est ça mes trois numéros. C'est les tunes qui si je tiens facilement, c'est comme trois notes, quelque chose de même, trois, quatre notes, pas plus que ça en général. Hein? Pour accompagner, tu veux dire? Ouais. T'as pas besoin de lui dire les notes, mais ça que j'ai vu, ça s'accompagne bien à la guitare. Ouais. Ah ouais. Même avec, si vous vous trompez, vous pouvez reculer puis recommencer de nouveau. Ouais, c'est ça. Donc, Denis, je ne sais pas si tu as un petit mot à dire avant qu'on se quitte, puis on va continuer à jammer ce soir. Ben, merci beaucoup pour aujourd'hui, la belle entrevue, puis succès avec ton album. Puis moi, là, je ne peux pas espérer d'être prête, puis traverser le pont, puis aller vous trouver pour jammer. Ah, merci beaucoup. C'est ça qu'on a tellement besoin aujourd'hui, hein, Denise? Oui, honnêtement. Plus que jamais. Oui. Ouais. Moi aussi, j'aimerais ça. On garde le jam parce qu'on sait qu'on a beaucoup de gens qui jamment avec nous autres. On garde plus tard à créer quelques rassemblements de jam parce qu'on avait des artistes sur la scène qui joueraient, puis le monde qui serait dans la salle, on mènerait les instruments, puis jammerait avec nous autres. Ah. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas de garder. Hein? Donc, merci beaucoup, Louise, d'être avec nous autres. Merci de prendre le temps de parler à les gens de partout avec l'Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick. Nous autres, on apprécie ça énormément. Donc, tout le monde, on s'amuse avec la musique de Louise Arsenault. Ah, merci beaucoup, Denise et Art. Merci beaucoup. On y va! Thank you.
prochain morceau de violon, ça s'appelle la gigue du comté de Kent. Moi, je suis née en Acadie, dans le comté de Kent, au bord de la plage, où juste qu'il fait beau vivre. Puis je vous envoie ça, la gigue du comté de Kent. Participation et merci surtout à notre invité. On a hâte de vous présenter notre prochain jam et surtout notre prochain invité. On espère que vous serez du rendez-vous. Continuez à pratiquer votre instrument et venez jammer avec nous la prochaine fois. N'oubliez pas tous les premiers mercredis du mois à 19h, 7h à Bouctouche. Salut tout le monde!